Bon, vérification du matériel. Des cordes. J'ai. Une tente et des sacs de couchage. Oui, on les a. Et on a les piolets. Aussi. Ah, on a oublié une chose. Doucement, papy. Des casques. Nous avons besoin de casques pour nous protéger des chutes de pierres. Poc aussi a besoin d'un casque. Parfait, nous sommes parés. En avant, toujours plus haut. En avant, toujours plus haut. Oh, nous sommes arrivés au camp de base. C'est le moment d'installer notre campement? C'est encore un peu tôt. On devrait monter un peu plus haut d'abord. Oui, et alors on rencontrera peut-être un beau minable homme des neiges. T'inquiète pas, Poc, t'as rien à craindre. Cette face-là va être difficile à escalader. Oui, tu as raison. Mais nous aurons quand même de bonnes prises. Et on doit planter notre drapeau, n'oublie pas. En avant, toujours plus haut. Attendez, c'est peut-être le abominable homme des neiges. Je ne crois pas que les abominables hommes des neiges sachent siffler. Ouf, tant mieux. Oh, désolé. Où je mets ce piquet? Attention, c'est mon sabot. Oui, voilà. Mais enfin, qu'est-ce que... Je crois que j'ai entendu un abominable homme des neiges. Oui, tu as raison, Zou. Oh! Bonjour, ma chérie. Ce n'est que nous. Mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? On est des alpinistes, mamie. On grimpe au sommet de la maison. Mais là, on était en train de monter notre tente. D'établir le campement, je veux dire. De l'alpinisme, rien que ça. Vous devez sûrement avoir un petit creux. Vous voulez quelques provisions pour tenir le coup? Oh oui, mamie.